Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. Je vais essayer d'être fréquent chez vous parce qu'on a besoin de communiquer. Le Gabon va très mal et on a besoin donc de prendre les résolutions qui s'imposent pour libérer notre pays. J'étais ce matin, enfin presque en fin de matinée, je suis venu vous parler de ces projets funambulesques d'Ali Bongo de remplacer les Gabonais de pure souche par des métèques profito-situationnistes qui n'ont d'attache ni avec la patrie, ni avec nos ancêtres. Et je reviens pour vous donner une information qui peut nous aider à prendre une décision
pour mettre un terme à notre souffrance. Je vous dis, le problème du Gabon, ce sont les Gabonais qui doivent régler ça. Ce n'est pas la France, ce n'est pas un autre pays, c'est nous-mêmes. Parce que c'est nous-mêmes qui souffrons. Et comme j'ai l'habitude de vous le dire, l'épine que tu as dans ton pied ne fait pas boiter quelqu'un d'autre. L'épine que tu as dans ton pied ne fait pas boiter quelqu'un d'autre. Vous vous souvenez, je vous avais, dans le cadre du Haut Conseil de la Révolution, fait un certain nombre de propositions. Mais je n'ai pas été écouté. Certainement qu'à l'époque, je n'ai peut-être pas eu le langage juste. Ou alors les Gabonais ne comprenaient pas l'importance de mettre en pratique ces propositions-là. Je crois qu'aujourd'hui, avec la dégaine actuelle, l'heure a sonné pour qu'on mette en pratique certaines propositions. Je vous avais dit, souvenez-vous, et là je demande aux faux chrétiens de s'éloigner. Hein? Aux faux chrétiens, je vous demande de vous éloigner, de ne pas m'emmerder dans ce que je veux dire. Je vous avais dit que le Gabon est un pays spirituel. Le Gabon est l'un des plus grands centres spirituels dans le monde entier. Le commandant Cousteau l'avait dit. Et vous-même, vous savez, c'est un petit pays, mais très fort spirituellement. Il y a beaucoup de forces spirituelles chez nous. Ce qui fait que quand tu fais des incantations, il y a de fortes chances que votre souhait soit exaucé. Souvenez-vous le père de Meksa Kombessi qui se faisait passer pour le grand marabout, pour l'homme représentant de Dieu sur terre. Il est mort chez nous. Il est mort à la pointe des nids. Il était venu pour faire des incantations. C'est parmi ceux-là qui demandaient à Kombessi de tuer parce qu'il y a besoin du sang humain. Et les autres l'avaient déjà remarqué. Et on savait que pour affaiblir Ali Bongo, il fallait commencer par le père d'Akombessi. Parce que c'était lui qui était derrière. Et je vous le dis, les patriotes ont réfléchi. Ils ont dit, on va trouver un puissant sorcier pour finir avec ce type-là. Et ils sont allés dans le sud. Ils sont allés dans le sud. Ils ont vu un vieux papa, très puissant. Et ils ont dit au papa là qu'il y a quelqu'un qui nous amène. Il y a quelqu'un qui commandite les crimes rituels. C'est le père d'Akombessi. Pour affaiblir Akombessi, il faut qu'on commence d'abord par son père. Et ils ont donc demander qu'on leur fabrique ce que moi j'avais dès le départ appelé le CPT. C'est pour toi. C'est en fait le fusil nocturne. Le fusil nocturne, c'est un sort qui se déclenche pour tuer de manière invisible un ennemi. Chez moi, à Mandji, par exemple, le CPT peut être une mouche qui vient se poser chez vous. Sur votre main. La mouche vient se poser là. Si vous tapez comme ça, vous déclenchez le CPT. C'est un fusil nocturne très efficace et qui ne rate pas. Ça ne rate pas. Le père de Meksa Kombessi a voulu faire l'esbrouf sur les plages du Gabon pour continuer à utiliser du sang humain des Gabonais. Et il en a eu pour sa gueule. Il est mort. Akombessi lui-même, il a reçu aussi le CPT au niveau de sa patte qu'il traîne là. Ce n'est que le début. Ali Bongo a reçu aussi le CPT. Je vous dis, le fabricant de ce CPT, il est au Gabon. Alors, pourquoi ne pas l'utiliser? Je viens vous poser la question. Pourquoi ne pas utiliser ce monsieur? Nous n'avons pas une armée, nous n'avons pas d'armes. Nous n'avons pas d'armes pour dire qu'on va mener une guerre contre les milices d'Ali Bongo. Or, on a une arme redoutable, une arme efficace. C'est le CPT, le fusil nocturne gabonais. Nous sommes
Bantous, nous sommes des traditionalistes avant tout. Pourquoi ne pas utiliser ça que de nous plaindre? Ça ne coûte pas cher. Allez-y, vous avez des parents qui ont été déjà à Ndougou, vous connaissez Ndougou? La sous-préfecture de Ndougou dans le Gouin maritime, dans le département de Timboué. Dans le département de Timboué. Là-bas, il y a trois types de CPT. Il y a un CPT d'avertissement. On te lance, ça te touche et tu sens que tu as été touché. Il y a un deuxième CPT pour te blesser, soit pour te paralyser. Et il y a un dernier CPT qui ne te laisse aucune chance de survie. Et quand tu bombardes, ça ne coûte même pas cher. Vous avez le premier à 750 francs CFA seulement. 750 francs. Vous avez le deuxième à 1000 francs. Et le dernier à 1500 francs CFA. C'est zéro. Pourquoi ne pas utiliser ces armes-là? Je vois des gens, des acculturés qui ne connaissent rien. Vous n'êtes pas nombreux à avoir parcouru le Gabon. Le Gabon a beaucoup de potentialités. Les Indiens, qu'est-ce qui fait la force des Indiens? Posez-vous la question. Vous savez, dans la forêt de l'Amazonie, vous savez qu'il y a des Indiens qui se battent contre des envahisseurs, exploitants forestiers, qui viennent là-bas pour détruire leur habitat. Mais ils les font disparaître. Ils les font disparaître. Vous savez, la Guyane, dans une partie de la Guyane, il y a l'Amazonie. L'Amazonie figure l'Amazonie française. Donc la plus grande forêt là qui nous donne ce souffle de vie là, cette terre là qui nous permet de vivre de ça. Il y a une partie. Et il y a une zone, il y a une ville, une commune qu'on appelle Marie Passoula. Marie Passoula. Faut vous documenter, c'est important. Il y a une zone qui est inaccessible. Ne peuvent accéder là-bas que les autochtones. Quand vous partez là-bas, si vous partez seul, vous ne revenez pas. Quand vous partez seul, vous ne revenez pas. Mais si vous partez, vous prenez un guide local, vous revenez en vie. Il y a un journaliste qui est parti là-bas, très jeune. Il n'est plus jamais revenu. On a retrouvé seulement ses appareils. Il y a eu des archéologues qui sont partis, ils ne reviennent pas. Parce qu'ils pensaient pouvoir se passer des autochtones. Donc, ils utilisent leur science pour pouvoir neutraliser ceux qui les embêtent. Ils n'ont pas d'armes particulières. Non, ils utilisent leur science. Mais nous, on s'est dit que non, le blanc, machin, mais c'est quoi l'histoire des blancs? Avant l'arrivée des blancs, on avait notre science à nous. Donc, on peut utiliser ça. Ça ne coûte pas cher. Ça ferait non seulement l'économie de nos fragiles vies. On éviterait d'envoyer des Gabonais dans la rue se faire massacrer par les milices d'Ali Bongo. Ça nous éviterait de dépenser beaucoup d'argent. Ça nous ferait aussi l'économie de nos fragiles vies. Il y a des puissants sorciers au Gabon, mais tout simplement, vous savez, le vaudou ne peut pas être plus puissant au Gabon parce que ce n'est pas sa terre ancestrale. Donc le Gabon ne peut pas être plus fort, le vaudou ne peut pas être plus fort que le Bouiti sur cette terre ancestrale. Ce n'est pas possible. Donc, renseignez-vous avec Internet, vous avez la possibilité. Il y a des pays qui sont devenus puissants aujourd'hui parce qu'il y a une dimension spirituelle, une dimension traditionnelle qu'ils ont préservée. Or, nous, on enlève tout.
On croit seulement aux pasteurs, les pasteurs vendeurs d'illusions. Il y en a beaucoup. Il y a des bons, mais il y a plus de mauvais que des bons. Donc quand on vous parle de ça, oh non, moi je suis à Jésus. Quel Jésus? Jésus, son pays d'origine, il y a des problèmes. Il n'est pas allé régler ça. C'est votre petit Gabon que Jésus va regarder. Mais il ne faut pas être ma boule. Il faut qu'on se réveille. Il faut que nous prenions des décisions par rapport à nos réalités. Or, les gens sont en train de tout brader. Vous savez que l'E-White a été initié même à nos rites traditionnels. On brade tout. Les pays comme l'Inde ne doivent leur l'Inde ne doit sa survie qu'à sa science. Nous avons notre science. Donc l'histoire d'armes. Quel est le Gabonais qui va? Le Gabonais est fort pour aller coucher les femmes dans les hôtels. Il est fort pour coucher les femmes dans les hôtels. Il va aller dépenser 50 000 francs CFA pour coucher une femme à l'hôtel. Mais si on dit que les 50 000 francs là, met ça dans la caisse pour pouvoir aider le pays à sortir des abysses, le Gabonais ne va pas sortir l'argent. Le Gabonais ne va pas faire de cotisations. Quand c'est pour aller payer le pasteur à l'église, la Gabonaise va sortir l'argent. Quand c'est pour aller boire la bière, il y a l'argent. Mais quand c'est pour libérer le pays, mais finalement, donc on veut quoi? On veut rester dans la prison. On est des sorciers puissants. La preuve, c'est que le père de la Combesie, qui était un grand prêtre du vaudou, il est mort sur nos terres ancestrales. On a envoyé l'armée pour l'amener. On a envoyé l'avion pour l'amener à l'est. Il était trop tard, il était déjà mort. Parce que le CPT, c'était le summum. C'était le dernier. Ça ne rigole pas. Donc, il faut éviter, parce qu'il y a une forme d'aliénation aujourd'hui au Gabon. On a aliéné les gens. Et vous savez même que la plupart des églises sont entretenues par le pouvoir. C'est pour vous amener à ne pas compter sur notre potentiel qui peut nous aider à libérer le pays. Donc, il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de prêtres qui travaillent pour le pouvoir en disant non, laissez vos choses. Regardez un peu comment ils sont. Quand les Blancs sont venus faire. Quand ils sont venus nous coloniser, quand il y a eu même l'esclavage, mais ils ont enlevé des reliques en Afrique, ils ont enlevé des statuettes sacrées qui étaient en Afrique. Ils ont dit c'est pour jeter, mais ils ont amené ça dans leur musée. Ils ont amené les statuettes dans leur musée, la preuve qu'ils sont en train de les rendre. Ils sont rendus au Bénin, ils vont rendre au Congo, ils vont rendre au Gabon. Mais bon, est-ce que c'est encore la même puissance? Rien n'est moins sûr. Mais il disait que c'était mauvais. Comment vous dites que c'est mauvais et puis vous amenez ça chez vous? Vous allez exposer ça dans vos musées. Tous les gens qui sont arrivés là pour dire non, vous savez, par rapport à Monseigneur Raponda Walker, quand on leur disait non, laissez tout ça, non. Il disait, c'est compatible. Dieu nous a demandé de le glorifier, même avec tous les instruments. Donc quand même on écoute le ngombi, la sitar, il y a des gens qui vous diront, non, c'est démoniaque. Mais ça, c'est des malades, ils n'ont rien à la tête. Ils n'ont rien compris. Avant l'arrivée de la citerne des Blancs, on faisait quoi? On avait nos instruments traditionnels. Donc, avec ça, on peut aussi utiliser nos instruments traditionnels pour mener le combat que nous avons aujourd'hui. Comment ce pouvoir-là se maintient? Mais ce pouvoir se maintient parce qu'il a retour à des moyens traditionnels. Regardez un peu Ali Bongo. Il a été battu. Le Parlement européen a voté des sanctions. Mais on n'en parle plus. On n'en parle plus. Mais il utilise les fétiches. Quand vous voyez Ali Bongo au cours d'un sommet, il se déplace pour aller serrer la main de Macron. C'est ce que ces marabouts ont dit. Que quand tu parles pour taire le problème, tu vas serrer directement la main de Macron. Vous avez vu comment Ali Bongo s'était détaché pour courir aller serrer la main à Macron? Parce que c'était ce qui était prévu. Il ne faut pas négliger notre potentiel spirituel. Ça peut nous aider. Et le combat au stade où il est, il a une dimension spirituelle. Les armes, c'est trop. C'est difficile. Il faut beaucoup d'années pour cotiser. Il faut beaucoup d'années.
Et en plus, il faut former une rébellion, ça prend du temps et ça détruit. Mais nous avons des moyens simples. On vous demande de choisir le plus simple. Faut pas compliquer. Je ne sais pas pourquoi vous compliquez. Ce n'est pas compliqué. Je voudrais dire à Gaëtan Biogé, excuse-moi, je n'ai pas l'habitude d'être un pourri, mais je vais être un pourri avec vous. Parce que j'ai commencé mon combat au Gabon, fils de pute. Si tu ne comprends pas que Moulinda a commencé son combat au Gabon, c'est que tu es un fils de pute. Voilà, je vais être un pourri. Vous ne voulez pas que les Gabonais soient pourris. On va être un pourri. Et l'impolitesse ne s'achète pas en pharmacie. Fils de pute, j'ai commencé mon combat au Gabon. Si tu ne sais pas que c'est au Gabon que j'ai commencé mon combat, depuis l'âge de 15 ans jusqu'à 37 ans, j'ai mené ce combat au Gabon, c'est que tu es un fils de pute et ta place n'est pas sur mon live. On va être impoli jusqu'à ce que le pays se libère. Au départ, on disait, j'ai parlé à une grand-mère à moi tout à l'heure là. On disait, mais toutes les actrices deviennent maintenant insolentes. J'ai dit oui, parce qu'on a un ras-le-bol en fait. Pendant que le pays va mal, il y a des fils de pute qui se plaisent à soutenir Ali Bongo. Et à venir là. Donc on ne va pas être poli avec des sorciers. Parce que ce qu'ils nous font, c'est plus que l'impolitesse. Donc c'est quand le réseau sera libéré qu'on sera poli. Pour le moment, on ne va pas être poli. Et c'est ça. C'est ce qui nous tue chez nous au Gabon. C'est d'être toujours là. Quelqu'un vous fait du mal. Vous êtes toujours... Je ne suis pas idiot. Ça, je vous le dis sincèrement. Je ne bois pas. Je ne fume pas. Je ne bois pas, je ne fume pas. Donc, je ne serai pas là pour être poli avec des imbéciles qui ne comprennent pas, avec des fils de pute qui ne comprennent pas. Je ne serai pas là pour faire. S'il te plaît, je suis en direct, tu peux me rappeler après, s'il te plaît. Donc, il n'y aura plus ça. On n'aura plus ça. Vous ne voulez pas le respect. Quand les gens n'aiment pas le respect, et puis on ne respecte pas un bourreau. On ne respecte pas un bourreau. Un bourreau ne se respecte pas. Je vois des gens qui respectent ces crétins d'Ali Bongo. Vous respectez un crétin comme ça qui vous tue? Mais c'est à cause de ça qu'il se permet de faire ce qu'il fait. Les gens trouvent que je suis en train de mentir. Mais vous venez faire quoi sur ma page si je mens? Si je mens, ne venez pas sur ma page. Je n'invite personne. Et si vous m'avez déjà écouté une fois, connectez-vous, partagez. Je ne dis pas ça. Alors que tous les fils de pute, qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas les bienvenus sur ma page. Le Gabon est en danger. Je ne veux pas être là, être poli, à rigoler, à respecter mes ennemis. Je paye un autre billet aujourd'hui, je suis à l'exil. Vous ne savez pas ce que ça fait de voir mes enfants grandir sans que je ne sois là pour guider leur pas. Donc je ne joue pas avec les fils de pute. Donc, on est obligé d'être poli. Les gens disaient, oh Stéphane, vous avez même que Stéphane Zeng est obligé de s'énerver. Et pourtant, Stéphane Zeng est d'un tempérament calme. Mais personne ne peut être poli, ne peut être calme devant ce qui arrive là, en ce moment-là. Ce n'est plus possible. Je vous dis, nous avons la possibilité. Le CPT n'est pas compliqué. Quand vous savez qu'Ali Bongo arrive à tel endroit, vous allez vous déposer ça là. Parce que c'est préparé avec son nom. Et quand il arrive, ça le prend, quel que soit le volume qu'il peut avoir. Ça nous fait l'économie. Ça nous fera des économies de nos vies. Et puis, on ne va pas dépenser beaucoup. Mettons à contribution nos sorciers pour finir avec Ali Bongo, pour finir avec les gens comme les Océni. Parce qu'aujourd'hui, le crime que vous voyez, c'est Océni qui a remplacé Akombessi. Et quand le père d'Akombessi est mort à la pointe des nids, Océni était là. Océni fait partie de ses maîtres, de ses disciples. Donc, excusez-moi, je préfère être honnête avec vous. Ces derniers temps, je ne vais pas être poli. Je m'en fous. Je serai poli avec les gens qui sont polis. Mais les gens qui viennent m'insulter sur ma page, ils auront ce qu'ils veulent. Je viens faire des propositions parce que ce pays est bloqué. Il faut que nous sortions de là. Il n'y a pas à aller aux élections. Il n'y a pas à aller aux élections. Il faut finir avec Ali Bongo
avant 2023. Déjà qu'il est déjà il est déjà touché. On dit chez moi au village que le bois qui a été léché par le feu ne résiste pas au vent. Le bois qui a déjà été léché par le feu ne résiste pas au vent. Donc, on a la possibilité d'utiliser notre science occulte pour finir avec ces gens. Les gens qui viennent vous dire ici, oh non, machin, nous sommes Dieu, c'est des moyens démoniaques. Les premiers démons, c'est eux. Les faux pasteurs, là, qui viennent vous dire. En dehors de faire le mouvement d'humeur pour rouvrir leurs églises. Vous avez vu encore les pasteurs là ouvrir aujourd'hui leur mandibule. En dehors un peu de Benny Mwambina qui prend des positions. Mais les autres, vous les entendez parler. Ils sont au service du diable Ali Bongo. Ils sont au service du diable Ali Bongo. Donc, ils me disent, non, lui, c'est un démon, oh, il est habité par un démon, il est machin. Non, nos armes sont efficaces. Je vous avais parlé déjà ici de cet homme qui était à. Cet homme qui était à Ndougou, dans le département donc, de Ndougou, dans la province de Louga-Matim. Nous vient au Kosovo. Il a fait disparaître le pétrole. Il a fait disparaître le pétrole et il a exigé des Blancs qu'ils mettent en valeur d'abord Gamba. Et quand ils sont revenus pouvoir exploiter le pétrole, ils n'ont rien retrouvé. Et il a fallu d'abord qu'ils travaillent et quand ils ont fini de satisfaire le cahier des charges qui leur avait été proposé, soumis, c'est là où le pétrole est réapparu. Donc, vous voyez qu'on a une science, on ne sait pas l'utiliser. Je ne comprends pas, on a quel problème, nous, les Gabonais. On a une science occulte, on ne sait pas l'utiliser. Quand il y a un fusil nocturne, quand vous tuez quelqu'un avec un fusil nocturne, vous n'allez pas. On ne pourra jamais même vous dire que c'est vous. Il va prouver comment? Ce n'est pas des choses qu'on prouve. Donc, il faut cibler les gens dans ce. D'abord, un, Ali Bongo. Deux, Sylvia Bongo. Et son fils n'aura plus le courage de faire quoi que ce soit. Il va fuir. Vous ciblez encore le Meksa Kombessi. Tous ceux qui vont vouloir s'imposer là, il faut les cibler. On ne vous dirait pas que vous avez fait un coup d'État. Le coup d'État, c'est beaucoup de moyens. Le coup d'État, c'est beaucoup de moyens. Donc, l'histoire de la présidentielle, oubliez ça. Mettons notre énergie pour combattre ce régime-là avec les moyens. Le combat a dépassé le stade politique. Nous sommes à un niveau spirituel. Si vous ne tenez pas compte de la dimension spirituelle, on ne libérera pas le Gabon. On ne pourra pas libérer le Gabon avant d'avoir tenu compte de la dimension spirituelle du combat. Le combat là atteint un niveau spirituel. Quand vous voyez les coupures d'eau, les coupures d'électricité aujourd'hui, la SCG, pendant cette période-là, ils font le maraboutage de Libreville. Ils ont appris que le 15, il y aura journée ville morte. Ossénie et tous les autres marabouts du pouvoir sont en train de travailler la nuit pendant que vous dormez. On vous impose un couvre-feu comme si c'est au Gabon que le coronavirus a commencé. Mais ils profitent simplement pour travailler. Et je vous ai dit ça depuis, vous ne me comprenez. Peut-être parce que je ne suis pas sorcier. C'est à cause de ça que j'ai décidé de garder la barre. Peut-être qu'on va commencer à me respecter. Donc, vous savez les gens qu'il faut viser. Il faut finir avec ce régime-là. Je vous assure, si vous finissez avec. Si on finit avec Ali Bongo, on finit avec Sylvia, on finit avec Marie-Madeleine Bouranzo. On finit avec les gens comme le Oligui. Les autres vont avoir peur. Ils vont avoir peur. Donc, je viens vous demander de réfléchir.
Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que le Gabon soit libéré ou pas. Nous voulons nous contenter de galérer. Ça vous fait plaisir de souffrir? Ça vous fait plaisir d'avoir des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école aujourd'hui? Ça vous fait plaisir de... Donc vous êtes fait pour accompagner ces gens-là? Donc vous aussi, vous n'avez pas besoin d'avoir des enfants bien formés qui peuvent demain aspirer à la fonction présidentielle? Non. Je vous le dis. Il y a de grands sorciers au Gabon. Le père d'Akombessi est mort au Gabon. Akombessi, quand il est parti, vous savez à quel moment Akombessi a eu, comment il a eu le fusil nocturne sur le pied? C'est quand il est parti à Bongoville. Akombessi est parti à Bongoville pour aller présider une réunion là-bas. Ça n'a pas plu aux gens de Bongoville. On a pris son empreinte, là où il avait posé son pied. C'est pourquoi son fusil nocturne a touché le pied. On l'a pas visé lui-même. Il fallait viser pour en finir avec lui. C'était pour le paralyser en fait. Donc, je venais vous dire ça. Il faut qu'on se batte avec les moyens qui sont en notre possession. On n'a pas beaucoup d'argent. On a des moyens scientifiques gabonais. On doit les utiliser. Personne. Personne ne va nous en vouloir. Parce que là où nous sommes arrivés, nous avons atteint un point de non-retour dans ce combat. Moi, je vous dis, entre eux et moi, c'est la haine viscérale maintenant. J'ai été très courtois. Vous savez que même quand ce crétin d'Ali Bongo est tombé en panne, il est tombé malade plutôt, j'étais pour dire non, ne vous réjouissez pas. Mais je pensais qu'il allait changer. Mais j'ai compris qu'il ne pourrait jamais changer. Il est devenu plus monstrueux que par le passé. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire avec un type comme ça? Il n'y a rien à attendre de lui. Donc, moi, je vais vous faire la proposition. Il faut qu'on mette en place rapidement un comité. Et quand on fait les cotisations, c'est pour que les gens voyagent aussi dans le Gabon. Quand les gens vont voir même ces gens-là, il faut un peu de moyens. Il faut des moyens. Il y a des gens qui sont à l'intérieur du système d'Ali Bongo. Même dans l'avion d'Ali Bongo, on peut mettre le CPT. Même dans l'avion d'Ali Bongo, on peut mettre le CPT. Et ça se déclenche dans l'avion, et tant pis pour les dégâts. Et puis c'est terminé. Donc, ne rigolez pas. Moi, je n'ai pas le temps de rigoler. Alors là, je devais être en train de me reposer. Mais je ne dors pas. J'ai pris le comprimé. Vous voyez? Vous voyez ce que je prends? Parfois, pour avoir le sommeil. Vous voyez? Donc, la situation du Gabon m'interpelle. Ce comprimé-là, ça s'appelle doxylamine. Enfin, j'ai oublié de prendre un comprimé pour dormir. Parce que cette situation m'énerve. Je me tourne et me retourne dans mon lit, cherchant des solutions. Le comble, c'est que quand on fait des propositions, les personnes au cerveau improductif viennent contrecarrer. Et on les suit. Quand c'est pour parler des histoires de sexe, oui, les gens sont forts. Mais mon Dieu, libérons le pays. Arrêtez l'histoire de dire que non, moi je veux un demi-pain, je veux protéger mon morceau de pain. Mais dans le Gabon libéré, tu n'auras pas un morceau de pain, tu auras un pain entier, même une boulangerie. Tu auras une boulangerie dans un Gabon libéré. Donc on refuse, on fait comme le chien, on donne la nourriture au chien dans l'assiette, le chien renverse ça. Donc il faut, je viens vous dire une chose, ça c'est une proposition, parce que je n'ai pas le numéro de téléphone de tout le monde. Vous êtes nombreux à être connectés, on fait ça, personne nous en voudra. Il faut qu'il y ait des décès en cascade dans ces régimes. Puisque l'armée n'est pas avec nous, et on n'aura pas facilement l'armée comme ça, parce que c'est des corrompus. Vous savez ce qu'ils ont fait de ces officiers? Ce que vous ne savez pas, c'est que tous ont été sodomisés par la Combessie. Et les autres. Et ont filmé.
Donc, on garde de tous ces généraux-là. On garde d'eux des vidéos. Ils ont peur d'agir. Parce que s'ils agissent, on va balancer ça. On les tient quelque part. On les tient quelque part. Donc, ici, je ne viendrai pas exposer toutes les stratégies, mais c'est une piste que je donne à vous d'enrichir l'idée. Vous avez mon numéro WhatsApp, mon numéro de Telegram, mon numéro de Signal. Quand les gens seront prêts pour dire oui, ta proposition est bonne, je vous dis prenez telle direction, allez-y voir telle. Moi-même, je passe le coup de fil. Je sais, je connais des gens très puissants au Gabon. Mais c'est nous qui négligeons ça. Ne pensez pas que ces gens-là viendront vers nous. Non. Eux, ils sont comme des clients. C'est comme des gens qui ont un magasin. Le client vient. Vous voulez que les gens ne se prêtent. Allez-y à Ndougou, j'ai vu quelqu'un tout de suite qui était à Ndougou qui témoignait. Ça ne rigole pas à Ndougou. À Ndougou, ça ne rigole pas. C'est un pays qui est là-bas. Donc, il nous faut agir. On a beaucoup parlé. Quand je mettais souvent oui, il ne parle plus, il a été acheté. Mais quand j'ai fait des propositions, combien se manifestent? Combien se manifestent? Même s'il y a des féticheurs qui disent non, chaque fois qu'ils feront, il ne faut pas que les Gabonais s'organisent. Mais tout le monde ne peut pas être noyauté. Même si on empoisonne l'eau de la rivière, on trouvera toujours des petits poissons vivants. Même si on empoisonne l'eau de la rivière, on trouvera toujours des petits poissons vivants. Donc, tout le monde ne peut pas être noyauté et tout le monde ne peut pas dire, bon, on ne va plus agir. Il y a toujours un moyen pour neutraliser les gens qui font du mal. Ali Bongo a fait du mal, il a tué, il a fait du sale. Comme il a fait du sale, il faut qu'il paye le mal. Voilà. Quand on fait du sale, on doit payer par le mal. C'est comme ça. La monnaie du sale, là, c'est le mal. Donc, je suis venu vous dire ça. Je connais des très puissants maîtres spirituels qui sont là-bas. Et les gens s'organisent. Si quelqu'un a un véhicule, alors on vous dira, avec tel moyen, allez-y à tel endroit. On va essayer ça. On n'a jamais essayé ça dans. On n'a jamais essayé ça depuis qu'on a commencé. On dit, mais comment on va faire partir les bongos? On est en train de se plaindre. Mais personne ne sort des propositions. J'en parlais d'ailleurs avec une de mes mères là. Il dit oui, les gens parlent beaucoup, mais ils ne font pas de propositions. Mais voilà une proposition que je viens vous faire. Pour dire que nous sommes Gabonais, nous sommes Africains. Le père Akombessi est mort au Gabon. Il a payé un autre but de son appétence pour le mal. Et Ali Bongo, qui a bénéficié de ça aussi, peut en pâtir. Il a aujourd'hui déjà ses handicaps. Donc il faut qu'on abatte, on se batte. Soyons efficaces. On joue serré là. C'est la dernière prolongation. Il faut marquer le but. L'heure est grave. Je ne sais pas si parce que certains vivent au Gabon qui n'ont pas vu ça, mais on doit faire le grand nettoyage. On doit faire le grand nettoyage. Il n'y a pas à dire que non, on va continuer à subir. Dieu va faire ça. Dieu ne viendra pas le faire. Il y a des pays qui connaissent plus les galères que nous. Il y a des pays où les gens dorment sur des cimetières. Allez-y à Cuba. Allez-y aux Philippines. Même à Mali, vous voyez des gens qui dorment dans les cimetières. Mais vous attendez quoi? Qu'on arrive là maintenant pour agir, il sera trop tard. On a encore de quoi sauver le Gabon. Mais les choix les plus importants doivent se faire avant le temps où l'expérience éclaire le jugement. Les choix les plus importants doivent se faire avant le temps où l'expérience éclaire le jugement. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes Gabonais, vous aimez le Gabon, battons-nous pour nous réapproprier notre pays. Personne ne le fera à notre place. Et même pour cela, on n'a même pas besoin de vous supplier. Parce que quand on a foi, on n'attend pas un ordre pour aller près du feu. Quand on a foi, on n'attend pas un ordre pour aller près du feu. On doit se battre pour récupérer ce pays. On ne doit pas attendre 2023. 2023, c'est trop loin. C'est trop loin. Et puis, on repart aux élections. Il risque de se maintenir. Même si on sait qu'il n'a pas une longue vie. Mais il a l'argent. Donc il se bat.
Aujourd'hui, il y a plus de 20 médecins avec lui. Donc, je vous dis, il y a des gens qui sont puissants. Et on va vous le prouver. Si on fait ça là, on n'ira pas en 2023 avec Ali Bongo. Si on fait ça là, ils ne vont plus imposer quoi que ce soit. Parce que quand on aura fini avec Ali Bongo de cette manière, avec le CPT, personne n'aura le courage de dire, ah, s'ils ont atteint Ali Bongo, ils auront peur de venir là. Ils auront peur parce qu'ils seront comme des poussins qui auront vu comment on a égorgé la mère poule. C'est pourquoi il faut qu'on se batte maintenant pour dire qu'on doit libérer notre pays. Mais là, si vous dites, bon, on attend, oh non, Dieu viendra, mais Dieu ne viendra pas. Oh Jésus, Jésus, de quel Jésus vous parlez? Jésus était Gabonais. Qui vous a dit que Jésus était Gabonais? C'est du maboulisme, c'est de l'aliénation pure et simple. Vous dites que Dieu va descendre, vous dites, Dieu c'est qui? Dieu c'est vous, Dieu c'est moi. Dieu c'est les autres. Dieu c'est nous. Dieu ce sont nos ancêtres. Dieu, ce sont nos ancêtres qui sont partis et qui nous voient et qui ne sont pas d'accord de ce qui se passe et qui ne sont pas d'accord de notre passivité. Donc, il nous faut nous battre. Ne pas dire, oh non, ça va aller. Non. Non. Quand quelqu'un joue au bandit, et les choses des bandits doivent se régler en bandit. Il n'y a pas dit que non, monsieur, moi je suis chrétien, je ne fais pas ça. N'importe quoi. Du gros n'importe quoi. Quel chrétien? Des sorciers, des gens qui utilisent la magie noire. C'est ça? On veut vous aliéner, ils sont avec le pouvoir la nuit. Vous-même, vous avez vu quand Basile V était toujours dans les combinaisons avec Ali Bongo. Et quand vous allez à l'église, ils vous posent la main sur la tête pour dire, moi, jamais ça ne viendra pas. C'est pourquoi, maintenant, il faut se battre. Parce que ce qui est en train d'arriver là, ça va être grave. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Moi, j'ai raté mon heure de la sieste. J'ai raté mon heure de repas parce qu'il fallait que je m'adresse à vous pour faire cette proposition. Vous dites que nous avons des sorciers qu'on peut utiliser. Formons une armée de sorciers. Voilà. Formons une armée de sorciers. Faisons un bon bloc dans chaque province là, du Gabon. On prend un sorcier par province au moins. Il y a 9. Et ils vont se retrouver pour faire leur expertise. Chacun a sa science. Si on fait une armée, ne serait-ce des sorciers là. On prend dans certaines provinces, on prend dans le Guilvindo, on va trouver là-bas, il y a des ethnies qui sont puissantes. On prend dans le Warrentem, il y a des gens qui sont puissants là-bas. On prend dans la Ngunie, il y a des gens qui sont puissants. On prend dans la Nyanga, il y a des gens qui sont puissants. On prend dans le Guématim, il y a des gens qui sont puissants. On prend dans la Ngunie, là. Dans le Guélolo. On finira par réussir. Parce qu'on finit par neutraliser quelqu'un. Même quand on est le plus grand sorcier là, on finit par trouver un moyen de te neutraliser. Même par ruse. On peut faire semblant de venir maintenant le soutien d'Ali Bongo pour le rapprocher, pour faire le selfie, alors que c'est pour lâcher, le CPT. C'est comme ça. On trouve toujours un moyen. C'est nous qui ne savons pas nous y prendre. Donc, battons-nous. Battons-nous pour un Gabon nouveau. Battons-nous pour un pays libéré, un pays qui va être prospère et on a les moyens, on a la possibilité de régler ça. Il y avait un homme qui savait que pour nourrir sa famille, il fallait qu'il ait ses plantations, un homme qui tenait à sa dignité, qui ne voulait pas vivre aux dépens, au crochet des gens. Cet homme s'appelait Mumbina. Mumbina avait fait sa plantation avec sa femme Marundu, derrière le village. Mais
Comme vous savez, dans les villages, il y a toujours des gens qui ont l'esprit fioleux comme Ali Bongo. Et il y avait une femme qui était réputée comme lycanthrope. Vous connaissez la lycanthropie? La lycanthropie, c'est cette faculté qu'ont certaines personnes à se transformer en animaux, en loups-garous et en autres animaux. Donc, il y avait une personne dans le village, une femme, une grande sorcière, qui se transformait donc en animal pour bousiller les récoltes. Donc, en pleine saison sèche, alors que Mumbila venait de terminer de préparer sa plantation, cette sorcière est apparue dans la plantation. Et là-bas, elle a trouvé Marundu qui était en train de mettre les semences sous terre. Et cette sorcière-là est restée à l'oreille de la forêt à regarder Marundu. Et quand midi a sonné, Marundu s'est détaché pour aller à l'arbre, à l'ombre d'un arbre, pour aller manger. Cette sorcière-là est venue. Elle a attrapé le plat de Marundu pour manger. Marundu ne pouvait pas agir, elle avait peur parce que... Et quand Marundu est rentré à la maison, elle a fait le point à Mumbila. Mumbila dit, comment ça t'aussi? C'était une femme comme toi, pourquoi tu ne l'as pas neutralisée? Marundu a dit à son mari Mumbila que même si c'était toi, c'est une créature effrayante. Il dit, même si c'était toi, tu n'aurais pas pu faire quelque chose parce que c'était une créature vraiment effrayante. Donc, moi je ne pouvais rien faire. Maintenant, si toi tu peux faire quelque chose, alors vas-y. Et c'est comme ça que le lendemain, Mumbila est parti lui-même, en brousse. Donc il a fait des travaux, et puis à un moment donné, la sorcière, là, au moment où Mumbila allait manger, la sorcière est apparue pour venir manger le repas de Mumbila. Mumbila voulait manger à midi, donc la sorcière est apparue pour manger le repas de Mumbila. Mumbila a vu cette créature effrayante. Il a fui. Il a dit, ah non, ma femme avait raison. Et après, ils ont envoyé un de leurs fils. C'était la même chose. Et lorsque les récoltes ont commencé à pousser, la sorcière a commencé à détruire ça. Parce qu'elle s'est transformée en animal. Et la femme de Mumbila a dit, bon, je vais régler ça proprement. Elle est partie en brousse. Avant de partir, elle a pris une corde. Elle a dit, moi je veux régler ça. Comme toi, toi-même, tu n'as pas pu réussir. Moi, je vais réussir à neutraliser cette femme sorcière-là. Cette lycanthrope. Et c'est comme ça que Marundu est allé dans la plantation. Et quand midi a sonné, elle est allée s'asseoir à l'ombre de l'arbre habituel. Et c'est comme ça que la sorcière est apparue pour tenter de manger. Marundu a dit, attends. La sorcière s'est arrêtée. Elle a dit, mais toi, tu es une belle femme. Tu ne peux pas manger avec les mains sales. Lave-toi d'abord les mains. Et la sorcière a lavé les mains. Et puis la femme de Mumbila a dit, ça ne peut pas s'arrêter là. Il faut que je te dresse, il faut que tu sois belle. Quand je t'ai dressée, tu seras belle, tu pourras manger librement. On pourrait me t'amener au village, là-bas, aller manger encore là-bas. Il faut que tu sois bien présentable. Pour que les gens puissent accepter que tu manges avec eux à table, il faut que tu sois propre. Bon, il faut qu'on te dresse d'abord. Et la femme dit, il n'y a pas de problème. Elle dit, allonge-toi à côté de cet arbre. Donc elle s'est allongée. Elle dit, assis-toi. Et la femme là s'est assise. Et Marundu, avec la corde qu'elle avait amenée du village, a commencé à tâcher ses cheveux. Elle pensait que Marundu était en train de la dresser. Or, Marundu était en train d'attacher les cheveux et après d'attacher la tête contre l'arbre et à neutraliser la sorcière. C'est comme ça qu'elle a réussi à tuer cette sorcière. Parce qu'elle avait fait usage de sa matière grise. Elle avait réfléchi. Elle a utilisé une ruse. Donc il n'y a aucun adversaire qui est redoutable et qui ne soit pas vincible.
On peut vaincre tous les adversaires. Mais à condition de savoir s'y prendre. Et là, nous avons une opportunité de mettre un terme à la tyrannie qui s'est vue au Gabon, à la sorcellerie politique qui s'est vue au Gabon, à la gabégie et surtout à la destruction du Gabon et du Gabonais. Et à son remplacement par des métèques qui n'ont attaché ni avec la patrie, ni avec nos ancêtres. Merci de m'avoir reçu chez vous. Que Dieu bénisse le Gabon et surtout qu'on puisse ensemble réfléchir par rapport à ce que je vous ai donné comme proposition et qu'on mette ça en pratique le plus tôt possible pour que le Gabon soit libéré parce que nous avons un beau pays, un pays qui ferait des enviables, des enviés aussi. Merci de m'avoir reçu et on est ensemble. Ni ningún me o como le dije a